Sophie, votre coach et l'ancien. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui exceptionnellement pour un live cuisse fessier. J'espère que vous avez votre tenue de sport et vous avez bien fait le cours d'hier pour le haut du corps. Super complément. Alors, vous prenez avec vous une bouteille d'eau. Vous aurez besoin d'un tapis. Sur la fin de séance, vous pouvez le mettre pour le moment sur le côté pour optimiser votre espace de travail. Et puis pour toutes les personnes qui ont quelques petites difficultés au niveau de l'équilibre, vous pourrez vous munir également d'une chaise. J'ai mise à côté de moi, comme ça je vous montrerai sur un exercice où vous pouvez en avoir besoin, ou en tout cas peut-être l'avoir à côté si jamais ça vous rassure. Ok? Allez, je laisse tout le monde arriver. Et puis on va pas tarder à commencer, comme ça du coup, on aura vraiment notre séance de 25 minutes ensemble. Allez, pour toutes les personnes qui nous rejoignent, je vous laisse vous installer. Toujours, on l'a dit, tapis, bouteille d'eau, et puis une petite chaise si vous avez besoin pour votre équilibre sur un exercice qui sera un petit peu plus compliqué, plus technique. Ok? En attendant, du coup, c'est pareil, je vous le dis toujours à la fin, mais je vais vous le dire cette fois-ci au début, vous pouvez vous rapprocher de vos coachs en salle de sport lorsque vous êtes inscrit chez l'ANCIA pour avoir des programmes en extérieur et en intérieur si nécessaire pour préparer votre reprise. Parce que du coup, la réouverture arrive prochainement, après un temps si long, on y est enfin arrivé. Alors n'hésitez pas, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Elancia France, ou le Elancia de votre ville ou votre commune, et vous aurez toute l'actualité. Vous pourrez retrouver également ce live en replay sur la chaîne YouTube Elancia France, et également sur ce Facebook, dans les vidéos. Allez, on va pouvoir commencer, tout le monde est en place, c'est parti, je lance la musique. Allez, aujourd'hui je suis en pleine forme, donc on va pouvoir bien travailler ensemble. On enroule les épaules en arrière pour se réveiller doucement, je sais que c'est la pause. Au niveau du travail, en avant. C'est très bien. Impeccable. Allez, on inspire, on s'étire, on s'étire. On relâche encore une fois, inspirez, grandissez-vous. Et on démarre tranquille. On descend doucement et on remonte. J'engage bien le bassin en arrière. Voilà, tranquille, pas besoin d'aller plus bas. Voilà, le dernier. Allez, tranquillement. Pousse, étends les jambes. Yes, super. Allez, on serre ses bras. C'est très bien. Encore. On démarre doucement. Vous allez voir la suite. Ça va vous faire du bien. Vous n'aimez pas quand je dis ça, oui, je sais. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On fera quelques pauses. Et demain, vous devriez bien penser à moi. Ok, la même chose, tu pousses les bras en avant. Et on y va un peu plus sur l'intensité. Allez, continuez à réagir des pouces, des cœurs, même si vous êtes qu'au travail et vous ne pouvez pas faire la vidéo, likez-la un maximum et partagez surtout. Allez, on les bras. C'est très bien. Encore. 4. 3. 2. On va reprendre comme au début, bien les jambes en ouverture. On descend tranquille et on remonte, c'est super. On continue, on chauffe les cuisses aujourd'hui. On va bien les travailler avec vos fessiers. Encore. Top. Continuez. Encore. Ah, on va être chargé. On continue. Le dernier. Super. Un petit peu plus petit mais plus rapide. Hey. Oui. On engage bien les fessiers en arrière, on appuie sur ses talons. Encore, 8. Allez, soufflez bien. On va monter les genoux tranquille. Hey, boum, face à vous. On remonte bien la pointe de pied vers vous. Si vous le sentez, vous pouvez sautiller en même temps. Franchement, c'est comme vous voulez. On va faire la même chose en ouverture sur les côtés. Hey, ici tu tapes. Hey, solide le buste. Et on monte bien, voilà. On vient toucher son genou avec sa main. Super. Encore. Super. Pointe de pied bien ramenée vers le haut. Hey, le talon le plus en dessous possible.
au-dessus de la cuisse? Oui. Encore. Alors, ça chauffe ou pas? Oui. Encore. 4, 3, 2, et on relâche. Head to step. En bas, tranquillement. Voilà. Encore, encore. Et on les double, on en fait deux. OK? C'est ça, on y va. Encore. Hey. C'est parfait. Restez bien fléchis sur vos jambes. Hein. Pas trop droit comme un lien. OK, ça marche pas trop. On relâche. Tout va bien se passer? Encore, encore. On rajoute. Hey. On tape la pelle. Boum. Oui. Encore. Souvrez bien. Et on relâche. OK. Tranquillement. On relâche les jambes. Vous buvez un petit coup. Et direct, on part pour travailler les cuisses. Allez. Je vous montre, on va enchaîner deux types d'exercices. Le premier, squat ouvert. Je ferme. J'ouvre. Descente. Je ferme. Et je repars. Comme ça, pas besoin de s'embêter. On va d'un côté et de l'autre, on travaillera les jambes comme il faut. OK? Ensuite, l'exercice qui ira bien avec, on restera de face, on poussera les fessiers en arrière, on tiendra tranquillement sur une jambe et on ira faire des petits lunges côté. Et ensuite, la même chose de l'autre côté et on recommencera l'enchaînement. OK? On y va ensemble? Allez, c'est parti tranquillement, squat normal. En deux temps et je reviens. On va y aller doucement ensemble, ne vous tracassez pas. Je vous dis pas, on y va direct avec le mouvement. OK, vous avez l'habitude avec moi. C'est tranquille. Vous soufflez bien. Encore. On prend le rythme de la musique. Pou, pou, hey. Encore. Pas. Poussez bien les fessiers en arrière. On a trouvé les bonnes sensations? Oui. Encore. On va pouvoir faire tranquillement l'enchaînement. On va le faire en lent au début. Et on accélérera. C'est parti. Ouvre, descend, pose et ferme. Ouvre, descend, ferme, hey. Pose, descend, ferme, descend encore. Pose, descend. Allez, plus rapide. Ouvre, hey, hey, oui, hey. C'est plus petit, on se relève jamais en entier. Hey, encore. C'est là que vous sentez que ça fait du bien. Encore. Pas besoin de trop ouvrir les jambes, hein. OK, c'est largeur de hanche. Je vous rappelle que votre vision des hanches est quand même plus réduite. Hein. D'accord? On a toujours tendance à vouloir couvrir. C'est pas vrai. Hein. Encore. Ouh. Allez, ça va? Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, hep, et on relâche. Allez, on fléchit les jambes, poussez les fessiers en arrière et on y va tranquille sur le côté. OK, ici vous devez sentir que ça se contracte dans le fessier à droite. Poids du corps en arrière. Je respire, je regarde. Voilà. On y va ensemble, on change de côté. Position, go. Allez, bien les fessiers en arrière, poids du corps dans le talon. C'est super. Accrochez-vous, 8, 7. Ensuite, on va gérer les deux exercices ensemble. On relâche. Ça fait monter le cardio chez vous aussi? Alors c'est parfait. 4, 3. On reprend le premier exercice. Descends, ferme. Descends et ferme. Hey. Encore. Oui. Encore. 4, 3, 2. Et on y va. Boum. Oui. Soufflez bien. Allez, on attaque bien les fessiers en arrière. Encore. 8, 7. On va reprendre l'enchaînement squat. On y va? Allez, ouvrez. Ouvre. Ferme. Ouvre. Ferme. Yes. Vous avez une jambe qui se contracte un peu plus que l'autre. Hein? C'est normal. Oui. OK. Ici, on y va. Ouvre. C'est super. Poussez bien les fessiers en arrière. Accrochez-vous. Allez, poids du corps dans le talon. Fessiers au maximum.
Dernière fois l'enchaînement, les squats. Boum, boum. Oui. Encore. Super, ça doit brûler, hein. 4, 3, 2. Ok, ici. Boum. C'est super. 4, 3, tu changes de jambe. Hey. Allez, on positionne bien la pile dans le talon. 4, 3, 2, et on relâche. Wouhou. Allez, soufflez bien. Hydratez-vous, on va enchaîner le deuxième exercice. Hey, là. Pendant que vous avez récupéré, je vais vous montrer le deuxième enchaînement. Du coup, travail d'adducteur. Donc, talon bien à l'intérieur. On va descendre. Pareil, on va isoler d'abord ce mouvement en faisant plusieurs fois. Et ensuite, on enchaînera sur les fentes. Ok. Ça, c'est bon. Et ensuite, forcément. Hop. Ok. Donc là, ça sera l'important, garder bien les jambes en ouverture. Si vous fermez vos jambes, vous allez faire une fente toute restreinte et vous aurez mal. Ok? Allez, continuez, on est tous les cœurs et tout. Alors, il y en a plein qu'on en voit en plus aujourd'hui. Continuez à réagir. On y va ensemble, vous allez récupérer. Donc maintenant, plus d'excuses. On ouvre les jambes et talons à l'intérieur. On descend et on remonte. Voilà. De toute façon, on descend toujours moins bas. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Quand ça s'arrête, allez pas chercher plus loin. On ralentit tout. Et tu remontes. Ouh. Encore. Yes. On continue. Continuez. Yes. Allez. C'est top. Vous entendez? Ça va monter. Le même exercice. En rapide, on y va. 8. 7. Allez. 6. Soufflez. 5. 4. 3. 2. Tout petit en bas, on y va, on reste. Hey. Vous devez sentir que ça étire et en même temps ça se contracte. Ça fait du bien. On essaie de redresser au maximum le haut du corps. On souffle bien. On tourne. On se place. Ok. On aligne bien ici. La cheville avec le genou. Et on descend tranquille. Descend. C'est très bien. Descend. Descend. Ok. Si vous avez besoin, la chaise à côté de vous. Hein. C'est pas pour cet exercice-là. Mais voilà. Si vous avez un petit peu de mal au niveau de l'équilibre. Pareil, hein, vous réduisez les amplitudes. Hein. Ok, si ça devient trop dur. Le dernier. Ici. On y va ensemble. Rapide, 8 fois. 8. Allez. 7. On fixe un point devant. 5. Encore. Engagez le bassin en arrière. Appuyez bien sur le talon et l'extérieur du talon. Ok, on bloque. Et on change. On y va ensemble en deux temps tranquillement. Descends, descends, remonte et remonte encore. Hey. C'est très bien. Soufflez. Réduisez l'amplitude toujours si c'est difficile. Encore. Encore, encore. On appuie dans le talon à l'avant et vers l'extérieur du talon. Encore. Deux. La dernière. Et on accélère, c'est parti. Hey. Soufflez bien, c'est super. On fait bien attention que le genou ne parte pas en avant. Hein. Encore. 3. 2. Et on relâche. Ok. Secouez les jambes. On fait l'enchaînement. Ok, je vous le remontre. Mais vous le faites avec moi. En deux temps. Descends, descends, remonte et on tourne. Wouh! Pas trop vite, vous voyez, sinon on perd l'équilibre. Descends, descends. Et on change. Hey. On continue. Hey. C'est super. On tourne. Vous avez juste à faire glisser les pieds. Hein. On appuie toujours dans ses talons, c'est le plus important. Hey. On essaye en un temps. Descends, monte. Hey. Hey.
continue en deux temps, si jamais ça va trop vite. Hey. Encore. On continue. Allez, accrochez-vous. Soufflez bien, concentrez-vous. Les appuis bien droits et forts dans le talon. Hey. Encore. 4. 3. 2. 1. Tu bloques au milieu. Hey, on reste. On tourne. On bloque 8. Bloque. On vient au milieu. Tu bloques 8. Tu changes. Tu bloques. Dernier enchaînement. Descends. Hey. C'est bien. Soufflez. On relâche. C'est très bien. Buvez un coup. Vous allez pouvoir prendre la gel si vous avez besoin. Ok. Allez, il nous reste deux exercices à faire. Celui-ci debout et le dernier au sol. Et je vous laisserai. Vous sentez le travail, ça vous fait du bien. Donc si vous avez besoin de la chaise, on sera ici. Donc on va rester en équilibre. Là je vais vous montrer sur ma jambe droite, du coup ça sera à gauche. On va aller chercher dans le talon. Devant c'est relâché, hein. Ok. On va baisser. Ça sera comme une fente. Sauf au lieu de descendre en fente. Hop là. Vous agrippez bien. Et vous allez pouvoir pousser la jambe derrière. Ok. Et il y a une chaise pas trop légère. Hein. Sinon elle glisse. Mais sinon on va se décoller. Ok. Si vous avez un mur chez vous, vous pouvez. Ok. On y va ensemble. Allez, on fixe, on se pose en fente. On ramène un petit peu son poids du corps en avant. Toujours dans le fessier. Et c'est parti, on fixe devant. Tu pousses. Hey. Hey. Ok. Encore. Soufflez bien. 4. 3. Il faut que ça travaille dans le fessier. C'est bon pour vous? Encore. 8. 7. 6. 5. Soufflez. 4. Il faut vraiment sentir que cette jambe est fléchie. Le poids du corps est dans la cuisse et dans le fessier. Et on relâche. Ok. On change de côté. Hop. On y va ensemble. On appuie sur l'autre jambe. On se positionne bien. Je vais lâcher si vous avez besoin. Sinon, elle peut être là pour vous rassurer. Et c'est parti. Tu pousses. Et tu reviens. Hey. Fixez un point devant. C'est très important. Encore. Hey. Souffle. Encore. Accrochez-vous. Poussez pas trop fort derrière, sinon vous allez déséquilibrer. Vous trouvez juste le milieu. 8. 7. 6. 5. Encore. 4. 3. 2. Et on relâche. Super. Ça va? Pas besoin de faire longtemps pour que ça soit efficace. Vous allez pouvoir prendre votre chaise et la poser sur le côté. Ok? Je vous laisse aller chercher votre tapis et surtout vous hydrater. Hop là. Vous allez pouvoir vous allonger au sol. On est dans le timing. Allez, vous devriez bien me voir. Normalement, c'est bon. Hop là, je vais juste m'avancer un chouille. Tac. Ok. Celui-ci, vous connaissez traditionnel, relevé de bassin. Alors, vous allez pouvoir poser les talons au sol. On va monter le bassin et redescendre sans jamais faire toucher le sol. Ok, ça c'est le plus important. Arrivé en haut, il sera fédéré et on ouvrira également les genoux pour bien sentir le travail à l'intérieur des cuisses. Ok? On y va ensemble. Attention, soufflez bien. Relâchez les bras, posez-les sur votre ventre. Et c'est parti en deux temps. Monte, monte, descend et descend. On garde le rythme. Et relâchez-vous. Allez, encore.
encore. J'essaye de trouver la bonne orientation du micro pour que vous puissiez bien entendre. Ok, rapide, on y va, plus petit, mais on serra sans les fessiers, contractés en l'air. C'est très bien. Oui, soufflez encore. Allez, est-ce que c'est bon pour vous? Vous êtes toujours là? Alors vous tenez à fond, bloc 3 temps en haut, tu bloques et 1, 2 et 3, tu redescends encore et 1 et 2 et 3, tu redescends tranquille, soufflez, jamais on touche les fessiers au sol, c'est terminé, ils n'ont pas le droit de se reposer pendant toute la chanson. Encore, 3, 2, 1 et tu redescends encore, souffle, accrochez-vous, regardez bien le plafond, détendez le haut du corps, c'est ici que ça travaille, le dernier. Prochain coup, vous bloquez en haut, c'est parti, on reste. Ouvre. On démarre, genoux serrés, j'ouvre, je ferme. J'ouvre et je ferme. Je garde les fessiers contractés en haut, à votre niveau. Et on souffle bien. Les pointes de pied sont décollées. Hein. Si vous ne décollez pas les pointes de pied, ça ne marchera pas. Vous allez galérer à fermer les genoux. Hein. Allez, on serre, on serre, on serre, on serre. Oui, c'est très bien. Le dernier, on descend doucement, sans toucher les fessiers. Et on reprend les rapides, c'est parti. Pousse. Yes. Souffle. Encore. Accrochez-vous, c'est la fin, c'est la dernière ligne droite. Impeccable. Allez. Encore. Et 8. 7. Super. 6. 5. 4. 3, 2, tu restes en haut, tu bloques et tu restes, tu savoures. Faites bien attention à votre dos, verrouillez le bassin. Si vous verrouillez pas les fessiers et le bassin, vous sentirez forcément une gêne au niveau du bas et du dos des lombaires, ok? On fait une courte pause, on remonte en deux temps. Monte, monte, et on redescend sans poser les fessiers. On a une courte pause. Super! Là, ça commence à être intense, la douleur, hein? Rapide, go! Allez, on s'accroche! Wouhou! Allez, encore! Hey! On reste bloqué en haut. Et les genoux, tu fermes et tu ouvres. Tu fermes et tu ouvres. Wouhou! Allez, verrouillez-moi tout ça en haut! Ça tire, on a les fesses qui sont de plus en plus lourdes. C'est normal, ça se muscle, hein, forcément en une séance, vous savez bien. On se retrouve avec un fessier du tonnerre. Hein. Allez encore. Hey, hey, soufflez. Jusqu'au bout, faut tenir. Le dernier, on redescend doucement, sans toucher au sol. Et on remonte tranquille. Monte, monte, descend et descend, c'est super. Wouhou. Encore. Le dernier. Et on relâche. Ah. Allez, relâchez bien vos jambes. Soufflez. C'est super. On va s'étirer tranquillement. Hop là. Buvez si vous avez besoin. Je vous attends. Je vais mettre un tout petit peu plus loin. Hop là. Comme ça, on se verra bien pour les étirements. Ok, on ouvre les jambes. Et on incline le buste vers le bas. Rentrez la tête. Super. Allez, on essaie d'aller vers sa jambe droite. Est-ce que vous pouvez, hein, si vous êtes bloqué ici, c'est pas grave, hein, d'accord? On n'est pas dans un concours. Vous faites comme vous pouvez faire et comme vous le sentez. On change de côté. Le plus important, c'est d'écouter son cœur et de progresser. Ok? On ne travaille jamais dans la quantité, mais dans la qualité. Pensez toujours à ça, faites-vous du bien d'abord à vous. Et vous verrez, tout ira ensemble. Allez, vous tendez les jambes, on essaie d'attraper les pointes de pied si on est super souple. Sinon, si vous êtes un peu employé comme moi, les chevilles, les mollets ou les genoux. Allez, encore. Soufflez bien.
et on relâche. On passe une jambe par-dessus, on fait un énorme câlin à son genou. Pointe de pied bien ramenée vers vous si c'est trop facile. Petite rotation du buste, mais vous restez toujours bien droit. J'espère que ce cours vous a bien plu, vous avez une bonne sensation. N'hésitez pas à le refaire en replay. Ok, c'est pas parce que vous allez faire plusieurs fois le même cours. Il sera plus efficace, bien au contraire. Vous allez pouvoir progresser à chaque fois. Allez, grandissez-vous bien. Et on relâche. Super. Allez, on va étirer le dos. Je vous mets dans le sens là, touchez bien voir. On grandit, on baisse les épaules. On amène le sommet du crâne vers le plafond. Et en relâchant, souple, on enroule le dos, je vais y arriver, tête à l'intérieur. Ne rigolez pas si vous allez vous défendre. Et on se revendique. On inspire. Et on souffle. Super. Vous venez avec moi. Soit vous basculez sur le côté pour vous relever, soit vous poussez sur le bon angle, vous venez vous accroupir. On déroule doucement. Et. Et juste ensemble, on va étirer les cuisses, fixer un point devant, vous pouvez vous agripper à quelque chose à côté de vous. Soufflez bien. On change de côté. N'oubliez pas, demain, vous allez retrouver mon collègue, mon collègue Jonathan à 18h pour un abdo-cardio. Alors, à mon avis, vous allez bien transpirer, donc surtout, soyez au rendez-vous. Et relâchez. Allez, prenez une grande inspiration pour moi aujourd'hui. C'est terminé. Je vous souhaite surtout passer une bonne journée, d'avoir de super courbatures. Et en attendant, prenez soin de vous et préparez-vous. On est bientôt là. Bonne journée.